Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Stellaris avec tous les modes Star Wars comme d'habitude. Research complete parce que... Pourquoi? Alors pourquoi? C'est une bonne question, pourquoi? C'est toujours une bonne question. Toujours se demander pourquoi. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi la vie, pourquoi la mort? Vous voyez quoi, hein? Bah, tout simplement parce que quand je suis retourné sur Windows, j'ai oublié de mettre la pause, donc il avançait un petit peu tout seul. Alors, dégâts causés par la station militaire, plus 10%, ça m'intéresse beaucoup. Missile antimatière 3, ça m'intéresse beaucoup. Mais alors, 30 000 points de recherche, ça m'intéresse pas beaucoup. Bien, là on a 6 mois de recherche, ça va nous faire un petit boost. Si j'ai du rouge dans mon système, ça va nous faire plus 10% de DPS sur les armes à énergie. J'ai envie de te dire... Mais si j'ai envie de te le dire, pourquoi je te le dirais pas? Hein? J'en ai marre de ce mode de pause. Je fais pas attention à la pause. Alors, 285. Nous, il nous faut 360. Allez! 727 de flotte. Putain, c'est excellent. Faut vraiment que j'arrive à monter ma flotte à... Au taquet, quoi. Il me manque une centaine de points. Il faut que je le fasse parce que... James va me tuer dans les commentaires si j'arrive pas à monter mon... Ma flotte. C'est quoi ça? C'est une planète? Une planète? Construction complete. Mais j'ai pas tant d'avant-poste frontalier que ça, hein. Militaire, hein. C'est dommage qu'il y ait pas de colonie ici, pas. Ça m'aurait bien arrangé. C'est dans mon espace ou pas? Non. Dans le tir. Petit. Vaisseau de construction, tiens. Regarde bien ici. Oui, bonjour! Oui! Oui, c'est moi! Génial, il est dans notre espace. Attends, il faut à tout prix qu'on fasse un système, un secteur... Oh, bah regarde. Ouais, bon, on va agrandir l'existant. L'éveil. Oh yeah, tout a commencé par un changement subtil dans l'attitude de la... Les rapports sur ces vaisseaux, auparavant rarement aperçus en dehors de son propre espace, se sont fait nombreux. Dans les systèmes de toute la galaxie, des vaisseaux éclaireurs très perfectionnés visitant des mondes anciens et en ruine, refusant de répondre au moindre salut et prenant la fuite dès qu'ils sont attaqués. Leurs projets et leurs missions sont restés inconnus jusqu'à... Nous savons désormais que les Fex Klingons se préparaient, récupérant les bases de données et les avant-postes automatiques abandonnés derrière eux alors que les frontières reculaient jusqu'à leur extension actuelle. Ils rassemblaient les informations pour leur retour sur la scène galactique. Dans l'espace des Fex Klingons, Des flottes et des armées se rassemblent, et des usines autrefois désaffectées ont recommencé à produire pour la première fois depuis des éternités. La Fex Klanga Fanatics regarde au-delà de ses frontières et scrute la galaxie tout entière. À mesure que les chantiers spatiaux restés abandonnés durant des siècles sont remis en état de fonctionnement, et que les fonderies inactives de titans ont recommencé à couler le métal, la galaxie ne pose qu'une seule question. Qui donc ce géant autrefois endormi va-t-il viser en premier pour retrouver ma gloire? Ça va être pour ma gueule ça, non? Alors, ascendance renaissante, fanatique sectaire, qu'est-ce que c'est que ça? Fanatiquement spirituel, je sais quoi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Enfant des étoiles, écoutez-nous, nous sommes là, nanana, des siècles tyrans négligés de voir vers la main. Acceptez nos doctrines et convertissez-vous ou retournez à la poussière en tentant vainement de résister. Chaque amitié nouvelle nous rapproche encore du divin. Regarde, c'est spiritualiste, tu es spiritualiste, deviens mon ami. Research complete.
putain, on est à plus 10, les mecs. Comparé à l'autre, sa puissance de flotte est supérieure. Non, mais t'es sérieux. Quoi, c'est violet? C'est autre. Regarde. Empire, autre, primitif, empire déchu. C'est quoi, ça, autre? Communiquons! Communiquons entre gens civilisés. Regarde, il est cool. Plus 10, plus 10. Franchement, même autorité et tout. Demandez à devenir un domin... Bon, mets une pause, là. Demandez à devenir un dominion. Nous pouvons demander à cet empire de devenir son dominion. S'il accepte, il sera dans l'impossibilité de nous attaquer, mais nous devrons lui verser 25% de nos revenus minéraux et énergétiques. En tant que dominion, nous serons ainsi contraints d'adopter ses éthiques. Oh, je sais pas, c'est bien, non? Je pourrais l'inviter en fédération, mais voilà. Cet empire doit être en paix. Affirmer les frontières à tout le monde et est en guerre avec... Non, je veux pas déclarer la rivalité, par contre, ça m'intéresse vachement. Alors, attends, fais voir un peu. Acceptation 50, base moins 50, petit dragon plus 100. Ouais, enfin non, parce que là, si je fais ça, je deviens sa pute, quoi. Et ça va pas le faire. Par contre... Voilà, mon gars. Ok. D'accord. Ok, ouais, je ferme ma gueule, quoi. Veux-tu des ressources stratégiques, mon ami? Ah, il veut des ressources stratégiques, mon ami. Je te le donne pendant 30 ans. Tu deviens mon ami? Tu veux que on fasse des cochonneries tous les deux? Je suis à plus 284 ans. Vous voyez, je me suis... Eh. Voilà. Finalement, avec à faire mes conneries d'avoir trop de bouffe, là. Est-ce qu'on viendrait pas d'avoir une bonne... une bonne nouvelle? Non, attends. Hop, dégage. C'est ça, là? C'est lui qui me casse les couilles! Je suis en train de chier dans mon froc pour ça, là. Non, c'est pas ça. C'est là? Non plus. Bon. Qu'est-ce que tu me vois contre là? Ah, c'est lui. C'est lui. Par contre, mes relations n'ont pas augmenté, là. C'est quoi l'histoire, là? Putain, je viens de te donner toute ma bouffe pendant 30 ans. Un peu de respect, quand même. Citadelle de la foi dans un mois. C'est mon James qui va être content, là. T'es mais ta mère! Il en a rien à foutre, on peut pas augmenter nos relations avec lui. Ah. Après, je suis à l'opposé, hein. On a le temps de voir, non? Oui, j'ai trop de systèmes, oui, c'est vrai. J'étais en train de faire ça, en fait, avant qu'il m'emmerde avec ses conneries. Alors, sur le secteur. Ouais, parce que là, le problème, c'est que, faut que je bourre comme ça, ouais. Ouais, enfin bon, au bout d'un moment, moi, je vais plus avoir de planète, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est quoi le but du jeu? C'est que... Voilà, c'est... Tu joues plus, en fait. C'est bon, t'as fini. C'est le mec qui joue à ta place. Recherche complète, dis-moi un peu. Attends, deux secondes. Oui, bah oui, nouvelle recherche. On va pas rester comme ça. Système du secteur principal plus 1, tu m'intéresses, mon ami. Allez, hop, tu me fermes ça. Dis-moi un petit peu, F5. Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu kiffes ta life? Ouais. Par contre, tu vas me donner un petit peu de ressources, maintenant. Voilà. Pas beaucoup. 25%, je veux dire, je te laisse bosser tranquille. Mais quand même. Et là, un peu F5, là. Ah ouais, mais gars, je peux pas construire à partir d'ici, c'est un bâtard, quoi. Ah ouais. Ah oui, c'est peut-être pour ça aussi. Alors, allez, c'est bon, j'ai déjà pu un rond. C'est bon, j'ai déjà pu un rond. La grime du siècle!
Construction complete. Mon leader est décédé. Le gouverneur de Dagobah, c'est ça? Oh. Oh tiens, il y a pas Dawan Sekura qui branle rien. Hop. Research complete. Point de vie des boucliers, 5%. Allez, boum, ça va. Turbo laser weapon damage, plus 5%, capacité stockage d'énergie, plus 500. Et turbo laser sur research chain, machin, attends! Station militaire, dit, ouais, ça me plaît, je t'ai dit. Bah, fais plutôt des torpilles, non? Ou des missiles, ou des réacteurs, ou des missiles. C'est quoi que j'avais fini? Oh putain, qu'est-ce qu'il a recherché? Ah oui, des ressources scientifiques, là, stratégiques. Du coup, est-ce que j'ai plus de ressources stratégiques sur ma planète, dans mon monde? Est-ce qu'il m'en a... Non, il m'en a pas... Non. Construction complete. Regarde, des fois qu'il m'en... Tiens, regarde! Cristaux xénuratiques, dégâts causés par les armes énergétiques, plus 15%. Alors, c'est génial, mais j'utilise pas d'armes énergétiques. Mais... C'est génial quand même, en fait. Tiens, regarde, il y a du rouge, là. Tu me l'as donné, mon rouge, ou pas, là? J'ai 29 ressources, wow, 23 cristaux urantiques. Ah ouais, d'accord. D'accord, bon, bon. Ouais, donc lui, c'est vraiment un connard, voilà, y a pas moyen d'être copain avec, quoi. Bah, par contre, toi, communique ta mère. Traité migratoire. Non, je peux pas faire des traités migratoires. Je suis un putain de xénophobe raciste. C'est pas possible. Alors, je te donne un cristaux pendant 30 ans. Donc tu m'aimes. Et je te donne de la nourriture pendant... non. Ah, mais il a pas faim. Il a pas faim. Par contre, il a peut-être besoin de sous. Ouais, mais il va aller faire foutre parce que moi aussi, je peux. Et cristaux énergétiques... Il en a pas besoin. Il a besoin que de minéraux, mais... Pour l'instant, je peux pas. Je t'enfilerai peut-être plus tard. Mais là, je peux pas. Ouais. Ouais, attends, 10 points, le... Ah ouais, non. Attends, le mien, il lui rapporte rien. Ma carte, elle lui rapporte rien. Pension de recherche, ça rapporte rien. Ça change rien, convention. Bah écoute, on va le prendre. On va le prendre. Donc t'es content alors? T'es mon nouveau copain? 236 de... Et alors? On peut pas devenir plus? Comme Ah oui, je peux rien faire de plus avec lui. Bah. Ah oui. Proposer de devenir vassal, être en paix. Ah, il est en guerre contre Flex Klanga, Justice League Brawl. Flex Klanga Fanatics. Ah oui, d'accord. Mais t'es en guerre contre tout le monde, toi. Putain, je comprends rien. Je comprends pas. Incoming transmission. Quoi? Transmission de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Ok, admettons. C'est un peu bizarre ce qu'il est en train de me faire, toi, hein. Alors... Pas si ou pas. Ouais, toujours pareil, après, hein, Voilà. Je peux faire deux cuirassés. Ça fait 3 ans et demi que j'économise, je peux faire 2 cuirassés. Research complete. Research complete. Missile antimatière, c'est bien. Du tier 3. Propulseur à impulsion. Incoming transmission. C'est bien ça, propulseur, impulsion. Dégâts des armes explosives, plus 5%, c'est bien aussi. Batterie cinétique, je m'en cale. Ouais, tout est bien dans le patin. Hein. Du Teldar, mais j'en ai déjà du Teldar, moi, non? Oh non, ça fait quoi le Teldar, dis-moi? 15% aux armes cinétiques. 60.
Hey, j'ai gagné 3 corps. Oh, le goré! Minerai de l'irium, aiguille explosive, plus 15%. Et ça n'augmente pas vu que j'ai pas de... Tu vois? Et oui. Bon, on est bien là! On est bien. Allez, avance rapide. Vous croyez qu'ils sont méchants alors les trucs là? Flex Kanga Fanatis. Donc toi t'es en guerre contre Flex Kanga. Alors 4K, 2K, 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 1K. Pourquoi tu vas pas les tuer ces trucs là? Un peu bizarre ta façon de faire, non? Ah bah c'est bon, t'es plus en guerre contre personne là. Ah bah voilà, on peut devenir vassal. Alors. Acceptation moins 1050. D'accord, il n'y a aucune chance que... Ah ouais. Population de l'Empire moins 160. C'est toi le raciste en fait, c'est pas moi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Moins 204... Ah, mais c'est pas le bon. Putain. Research complete. D'accord, donc c'est en... D'accord, putain la vache. Cet enfoiré là... Cet enfoiré là, il a fait popper le... l'Empire, je sais pas quoi, là. À côté du seul gars avec qui je m'entends bien dans la galaxie. Ion Cannon Research. Ah merde, regarde, hyper bouclier. Construction complete. Construction complete. Oh merde, non. Far Cry 2017, bah tiens. Faut que j'aille voir ça, moi. Ça peut être rigolo, Far Cry 2017, là. Fais pas de spatio, ou pas. Ah là 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 là. Voilà, pitchou! Construction complete. Notre archiprophétesse est mort subitement à 107 ans. C'est notre... C'est lui, l'archiprophète. Hein? Oui. Moi aussi, c'est ça. Alors, dis-moi un peu... C'est quoi, 2K2, là? Ah, il est... Nouvel héritier, grande prêtresse. D'accord. Ça marche. Bon, donc là, le nouveau, c'est maître... Maître 4, c'est ça? Ou maître Yves. Psychique. Priorité import-export, nourriture plus 10%, 10%, lentilles prismatiques, rendement des sciences physiques plus 10%, énergie solaire améliorée plus 5%, et catalyse de rayons cosmiques. Je ne comprends pas, hein, là on est repassé à moins 53, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Ouais, mais tout ça c'est intéressant, mais... Là, je suis en train de faire une citadelle de la foi, hein, pour mes amis fanatiques. Construction complete. Centrale 4. On n'a pas de centrale 5 alors? Y a pas, c'est pas disponible. Ça n'existe pas. Y en a pas. C'est, je vais me faire foutre. Bon, bah écoute, cordialisons la direction dans ce cas-là. Ouais mais non mais là je peux pas, je vais même plus être à court, je vais être SDF de l'énergie là. Non sérieux. J'aimerais bien te dire oui, hein, mais je peux pas toujours te dire oui non plus, c'est pas possible. Ce serait pas trop de service, ben non. Alors. Oui. Construction complete. Construction, oui, oui, oui. T'as moins 45. C'est... Construction
Construction complete. Alors, qu'est-ce que ça va faire une fois le l'holotemple, enfin le la citadelle de la foi terminée? Est-ce qu'on va passer à un nouveau stade d'évolution? Je pense que ce serait le minimum. Bon, qu'est-ce qu'on fait là-haut? Il nous faut une pop créée. Ah, alors attends. Ouais. Allez, j'ai pas envie. Alors sur Akmal maintenant, voilà, on va avoir des souterrains. Pacifiste, adaptatif, et c'est tout. Voilà, il m'en envoie deux, quoi. Je suis pas sûr que c'était une très bonne idée de les prendre, je suis xénophobe. Donc ça, c'est les gens qui vivaient sous la surface de la Terre, hein, avec lesquels je discute depuis un petit moment maintenant. Et eux, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde, ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir. Et moi, j'ai dit oui. Pas méchant. Et vous faites quoi dans la vie alors? Ils ont pas de capacité spéciale. Au niveau des armées, je peux pas. Armée d'esclaves, hommes. Armée défensive, hommes. Oui, mais j'ai pas que des hommes, j'ai aussi des molluscoïdes. Ah ouais, mais il faudrait que je les mette en. Oui, d'accord. Alors, citoyenneté, résidence, ok, admettons, conditions de vie décentes, ouais, service militaire limité, droits coloniaux, ok, je contrôle sa population, et je contrôle l'immigration. Écoute, on va regarder ce que ça donne. Ça peut être rigolo. Comment Krug va-t-il traiter ses copains souterrains? On ne sait pas. On ne sait pas. Vas-y, construis gros. Merci. Et toi, tu prends le rien, c'est ça? Toi, tu vas aller nous faire un avant-poste machin ici. On va le faire là, histoire d'être tranquille. Alors, tu vas le faire là. Et puis après, tu vas en faire un là, pas. Bon, on va le faire là. Je sais pas s'il y aura assez de portée pour tout faire. Dans l'intervalle, il faut qu'on envoie la fleet qui va te prendre à sec. Donc qui te prend à sec, pardon. Et on va les prendre à sec, si peu. Voilà. Moins 170 de... Mon dieu. Bon, ami viewer, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes. Et à demain pour de nouvelles aventures.